Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Just Playing. Je parie à la pêche à la patate qui va nous demander ce que ça va se faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Mobile. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le vrai Call of Duty Mobile. Donc, il y a eu plusieurs trucs de nouveau. Premièrement, comme vous voyez ici, la saison, poste de combat, saison 1. Donc, s'il y a tous les défis, etc. Donc, après. Désolé. Le menu au début. Donc voilà. Donc ici on va utiliser la salle de ça ici c'est des événements comme le monde, tout ça la partie jouée. Ça c'est des trucs de système. Ça c'est mon niveau, je suis 26, donc je vais du boxeur. Donc j'ai une SMC niveau 33. Donc le mode zombie, je pensais qu'il allait sortir, mais finalement il n'est pas sorti. Donc il y a seulement un Battle Royale multijoueur. Donc aujourd'hui je vais faire une seule partie du multijoueur, parce que Battle Royale ça va être trop long. Donc le Battle Royale, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le Battle Royale, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est vraiment en particulier, c'est juste en particulier, c'est bizarre. Donc c'est ça. Donc ça montre comment. Donc pas trop vrai, regarde, tu peux jouer avant. Ce jeu seulement à 4 joueurs, là tu peux jouer à 2 puis à 1. Donc ça c'est nouveau. Première personne aussi. En troisième personne. Moi je sais les deux, je sais pas c'est lequel les meilleurs. Donc ici t'as le mode multijoueur. Donc t'as partie classée, c'était déjà là. Partie privée aussi. Donc si ça a changé, donc les cartes, t'as beaucoup plus de cartes, plus là, mais mettons match à mon paquet, clean de fond. Partie classée, donc voilà, etc. Le nombre de points que je suis. Le classement, donc la saison comme vous voyez. Ça c'est mon clan à moi. J'ai appelé code BO. Je sais pas comment appeler donc. Mais je vais changer mes équipements parce que ces armes-là sont déjà au max.
Remettre. Non, le sniper, je suis pas fan. Peut-être ça une grosse mitraillette. Mais pourquoi pas? Donc, tu vois, il y a un nouveau mode aussi, il y a entraînement contre IA. Donc, j'avais toujours, je pense, fait les modes, bof. On va faire un entraînement contre IA, t'sais, juste pour vous montrer un peu la game. Des fois c'est long là avant de trouver une game là. Donc, quand on compte IA, c'est comme t'es des joueurs quand t'es IA là. Putain, je trouve pas une game, puis y'a plein de gens normalement qui devraient jouer. Après, je trouve ça un peu long là, les fois les matchmaking là. Si c'est trop long, moi je vais changer. Mais c'est bien long. Voilà. Vous avez vu, je trouvais pas de partie là, j'en trouve une d'une shot. Sais pas pourquoi j'entends pas le son du jeu, ça gosse quand ça fait ça. Crash. Je vais prendre celle-là parce que j'ai jamais essayé. Donc si j'ai besoin de trucs, n'oubliez, regardez. Ouais. Et voilà. Et donc là, la plupart du temps, c'est des... Ah non, là, c'est vrai, c'est des IA. Mais là, c'est des vrais joueurs. C'est pour ça que je suis en train de toutes les démolir, parce que normalement, je serais pas en train de toutes les démolir comme ça. Ça, je vous le dis. C'est des ordinateurs. Mais il est fort, cet homme. Donc ça se peut que la game dure 2 secondes, mais... 17-0. Il y a personne qui est mort à tête. J'ai dû faire au moins quasiment 10 kills. Mais ça donne quand même pas mal d'XP. Je me sens... Ah oui, coup de couteau. Attendez. Putain. Donc l'autre arme que j'ai, c'est la M4. Ok, elle est forte en tabarnak. Donc, sentry gun. Donc, bouh. Spawn, tu crèves. Mais c'est juste pour la fin. Oh, victoire, ouais, 54. Je suis même pas mort une seule fois. Donc, ok, je lui mets au maximum. Donc, ça va être tout pour cette vidéo sur Call of Duty Mobile. Oh, c'est moi le premier. Bah, attendez un peu.
Donc si le menu, regardez, il a changé comme ça, il est bien plus beau. Donc à 4,75, d'accord. Elle est mieux que sur Black Ops en tout cas. J'ai fait 13 kills. Mon record contre des IA, c'était. Ben, contre des bots au début, c'était 46 kills. Je vous le dis, j'ai fait 46 kills. J'avais 3 alliés. Mes 4 alliés ont fait 1 kill chaque. C'était n'importe quoi. Mode partie privée, gardez. Puis gardez, il y a ça. Je sais pas c'est quoi, mais je pense qu'on pourrait acheter des bots. Genre pour jouer, tu sais, s'entraîner contre des bots sans. Donc c'est ça. Donc on se retrouve une vidéo quand le bon zombie va être sorti. Donc pour moi, à l'Halloween devrait être sorti. Là, ça va être. Ben, ça fait longtemps que je l'attends. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, je vous dis bye bye.